So for the optimistic cynic, I shit. Ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I lickety split. Bonjour à toutes et à tous, c'est Amis CGD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester mobile, tout simplement, parce que j'ai jamais testé le mobile en HD10, et je vous ai également jamais présenté vraiment de compo en HD10, à part le barge sap et la compo avec les fûts à squelette que je vous avais présenté il y a un petit bout de temps maintenant, mais je vous ai jamais présenté de compo un petit peu de rush GDC. Donc on va commencer un petit peu aujourd'hui, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu commencer une espèce de série où je vais tester plein de compos, et si jamais vous voulez me proposer des compos, bah n'hésitez pas dans les commentaires, tout simplement, je prendrai sûrement la compo qui a le plus de likes, ou des trucs comme ça, mais des vrais compos, hein, pas des compos genre, alors je dois faire Valkyrie Ballon. Ça non, non non, des vrais compos, genre du Go Whip, genre du, je sais pas moi, de la QH Mineur, je sais pas moi, hein, de la QH Mobile également, hein. Voilà, aujourd'hui on va se faire du coup une sorte de premier épisode avec du mobile, et à chaque fois je noterai un petit peu les compos suivant si j'aime, si j'aime pas. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 7 compos, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, 4 sorts de rage, 4 sorts de gel, 3 molosses, 23 ballons, je pense que c'est pas mal. Voilà, après il y a la deuxième compo qui est prêt. Donc du coup on va se faire 2 attaques à chaque fois. Tout simplement, j'essaie quand même de taper des bases HD10 pas trop mal, parce que sinon ça n'a pas intérêt. Voilà, on va essayer de se trouver des petits HD10. Alors vu que là je suis en champion, ça risque d'être peut-être un peu compliqué. On va voir ça. Voilà, on va voir ça. Hop, je commence déjà à tout casser. On va voir ça directement, on va essayer de se trouver un bon petit HDV10 directement. Et du coup, on va se faire 2 attaques. Donc n'hésitez pas également à proposer des compos dans les commentaires. Voilà, celle qui aura le plus de likes sera prise pour la semaine prochaine. Je pense qu'on fera ça un petit peu tous les vendredis pour le moment. Parce que comme vous le savez, je suis max et je peux pas trop vous proposer de trucs où je vous fais améliorer des choses. Donc voilà, c'est soit ça arrive, soit ce genre de vidéo va arriver toutes les semaines, soit une fois de temps en temps, voilà. Ça peut arriver vendredi, par exemple, toutes les semaines, semaine et demie, 2 semaines, je ne sais pas. On va voir ça, en tout cas aujourd'hui je teste le mobile et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, même si je pense que le mobile, je pense que c'est pas la compo la plus compliquée, mais je pense que ça va être un peu compliqué quand même de perf avec, tout simplement. Mais bon, vu ce que j'ai pris, je pense que c'est une compo qui est un peu adaptée à la méta des bases qu'il y a en ce moment. Voilà, en tout cas on n'arrête pas de trouver des HDV11, hein, ça on adore. Donc là je pense qu'on va se taper cet HD10, il est pas mal, bon il a 9 trophées et si on perd moins 33, mais voilà, donc ce qu'on va faire c'est quoi faire, tac tac tac, et ensuite bam, la ligne de ballon, ensuite bim, sort de rage, sort de gel, sur les TDE directement, bam, hop, on peut même se mettre un sort de rage en bas, voilà, j'ai même pas envoyé le blimp, hop, on va envoyer le blimp directement, hop, on va regel ça. Voilà, on va re-enrager tout ce qu'il y a au milieu. Voilà, dans le ballon, enfin dans le blimp, tout simplement, j'ai un dragon et j'ai des ballons. Donc je pense que c'est pas mal. Hop, là on va laisser le molos péter, en vrai c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va geler ici, comme ça le dragon il va pouvoir rester un peu en vie. Voilà, bon en tout cas on a commencé directement avec une attaque un peu moche, voilà. Mais bon, c'est en vrai, non en vrai ça va, je dis qu'elle est moche mais ça va encore. Ça va encore, hein. C'est pas... l'attaque la plus moche qu'on a vue. Mais là, c'est trop con parce que, voilà, du coup, il y a un squelette. Il est en train de péter absolument tous mes ballons. Voilà. Donc, ça va clairement pas perf, hein, loin de là, à mon avis. Mais on va pouvoir faire quand même des trucs... on va pouvoir faire quand même pas trop mal, en vrai, je pense. Même si j'ai attaqué comme une merde, voilà, vu que j'ai jamais testé le mobile en HD10. Voilà. Je pense que j'ai fait une attaque bien nulle. Voilà, j'ai fait une attaque bien nulle. Peut-être que j'aurais dû attaquer par le nord et comme ça le blimp il aurait pu parcourir un petit peu tout le sud. Je sais pas. Hop, en tout cas, on va continuer. On va envoyer ça ici. Comme ça, si jamais le roi il voudra revenir, bah il reviendra. Voilà, il reviendra le petit roi. Ok, l'Arkix qui a changé de focus. Le truc qui va le plus faire chier, je pense, c'est la T2 mono vu qu'elle est au centre. Je pense que c'est ça qui va le plus faire chier, honnêtement. Hop. Donc on va continuer un petit peu, tac, 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 on va continuer l'attaque, hein. On va laisser l'attaque se dérouler. Hop, on va activer la capa du roi, maintenant, directement, boum, voilà.
Là, le truc, c'est que la reine, elle tourne un petit peu tout autour de la T2, et en plus, la T2 qui... À la T2, elle est dans une dead zone. Ça fait chier. C'est vrai que la reine, elle sera obligée de taper un mur si jamais elle veut aller chercher la T2. C'est un peu con. C'est un peu con, c'est un peu con. Mais c'est pas grave. En vrai, ouais, en vrai, ça aurait pu perf. Mais je pense que ça va pas perf. Même, je pense qu'il y aurait pas le temps. Je pense qu'il y aurait même pas le temps pour perf. À mon avis, hein. À mon avis, à mon avis. Je pense qu'il n'y aurait pas le temps de perf. Voilà, on va voir. Hein. Hop, là, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va attendre un petit peu. On va attendre que ça pète au milieu. Voilà, de toute façon, après, on enverra la capa de la reine. Pareil, non, l'Arkix, c'est pas dans une dead zone. L'Arkix, ça va, il va pas nous faire chier, l'Arkix. Voilà, bim, hop, on active la capa. Ouais, ça va faire un 98%. Malheureusement, ça fait 98%, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est con, c'est con. Quoique, on va laisser se faire. Ça va faire 99 en fait. Ça va faire 99 parce que l'Arkix, il a pris un peu de dégâts, mais il n'a pas pris énormément, si. Allez, non, eh non, ça fait 99%. Ah, le seum, le seum, le seum. Le seum, quel dommage, quel dommage. J'aurais quasiment pu faire un truc bien. Voilà. Limite, voilà, j'ai plein de compos, hein. J'ai du Bowie, j'ai de la Kush Minogue, j'ai même un Mobile. J'avais un Mobile de près ici, mais je pense qu'il n'est pas adapté. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais reformer mon petit Kush Minogue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander des troupes, on va voir, hein, on va voir s'il y a des gens, on va leur faire coucou YouTube, voilà, ça va leur faire plaisir, bam. Ça va leur faire plaisir, même s'il n'y a personne en fait. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est génial, voilà. C'est génial, ils auraient pu passer, mais il n'y a personne, il n'y a personne, voilà, c'est con. C'est con, c'est con, c'est con, sinon on partira sans, hein. J'ai juste attendu une ou deux minutes, voilà, j'ai juste attendu une petite minute, voir si on a un CDC, et je vous reprends de suite. Bon bah pas de CDC, du coup on va partir en attaque sans CDC, on va juste se gémer nos petits héros, directement, voilà. Personne n'a voulu donner CDC, tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave, on repart, on va tester sans CDC du coup. Voilà, on va tester sans CDC. Voilà, on va quand même se tester sur un HDV10, hein. On va pas changer. On va pas changer ça. Mais limite, j'ai l'impression que le Mobile, il marche mieux que le Kush Minogue là-haut. Oh, ça va plus là. Ça va plus, ça va plus. Le Mobile, il marche mieux que le Kush Minogue. Bah après, le Kush Minogue, quand je le fais en live, vous êtes beaucoup à râler. Mais c'est parce que j'utilise pas la caserne. Bon, j'avoue, la dernière fois, j'ai fait une... Non, j'en ai dit, la dernière fois que j'ai fait une ZDC, j'avais la caserne, j'ai fait un OneStar. Mais c'est faux, j'avais pas de caserne. Voilà. Du coup, on attend, on attend, on attend, on continue. On va essayer de se trouver un bon petit HDV10. Voilà, là, on a un bon petit HDV10. En vrai, il est pas trop mal, hein. Il est pas trop mal, il est pas trop mal, son HDV10, hein. Il est pas trop mal, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les trois molosses. J'en ai oublié un. Bam, voilà, c'est pas bien grave. Tac, ensuite on fait ça, ça, ça. Bam, en fait, ouais, y a deux molosses qui sont partis au même endroit du coup. Hop, on va gel, on va gel, ouais. Bon, on peut gel ici, comme ça, bam, on gèle la TDE, la reine. En vrai, c'est bien, c'est pas trop mal. Voilà, ici, hop, on peut en renrager et on peut regeler ici. Voilà, comme ça, on gèle la T2 mono et on gèle. Bon, l'Arkix, oui, c'est bon, on gèle l'Arkix, mais ça sert à rien, mais. Bam, en tout cas l'HDV qui est pris directement, mais il n'y a plus de ballon. Il y a un peu de ballon. Là, il n'y a plus de ballon. Ça va être un peu compliqué là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont passés où mes ballons en fait? Je crois qu'il y a la majorité des ballons, ils sont partis genre par ici. Et du coup, ils se sont fait shot par ma reine, ils se sont fait éclater. Voilà. C'est génial, on apprécie. Hop, on va envoyer tout ça. Voilà, bim bim bim. On envoie les sapeurs. Et les sapeurs de la Muerta. Voilà, les sapeurs qui ont ouvert. Hein. C'est top, c'est top. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer aussi nos 4 gargouilles derrière. Directement, voilà. On va faire un petit 2 étoiles. Un peu nul. Un peu nul. Non, en vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Ça change un peu du Minogue. Le Minogue, c'est vraiment terrestre. Là, ça change un peu l'aérien. Non, franchement, j'aime bien. Si je devais donner une note, je ferais ça sûrement à chaque épisode. Non, je donnerais quand même un 4 sur 5. Donnerai un 4 sur 5. Clairement, c'est pas. C'est bien, c'est bien. Je vais pas dire que c'est nul, c'est bien. C'est juste que j'attaque comme une merde. Voilà. Voilà. Mais après, on se verra. Ça se trouve, on aura des compos. Ils seront totalement
daté et on pourra pas s'en servir. Voilà, j'attends de voir sur des compos vraiment anciennes comme du GoWhip ou ce genre de choses. Là, ça pourra être vraiment, vraiment intéressant. Bah, en vrai, on a fait une attaque un peu. Enfin, en vrai, on a fait une attaque pas trop mal. Hein. On a fait un petit 2 étoiles en sachant que la base a été max sauf les murs. Je trouve que c'est pas trop mal en vrai. Je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal en vrai. Je suis pas déçu, je suis pas déçu. Je suis pas déçu de ce qu'on a fait, clairement. Voilà, bon, on va arrêter, hein, le petit archer, voilà, un moment. Voilà, bam. Et du coup, voilà, sur ce, les potes, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous l'avez aimé, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour me donner notamment votre avis sur cette potentielle nouvelle série. N'hésitez pas également à donner de nombreuses compos dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et sur ce, c'était JD. Et moi, je vous dis bye tout le monde.